Alors, du coup, on se retrouve pour la deuxième session d'enregistrement du coup de ma série sur Iceswap, donc l'acte 1. Étant donné que j'ai à peu près tout fait hier, enfin j'ai tout posté cette nuit je crois, non, je sais plus, enfin j'ai tout posté quoi. Donc on commence donc par le cinquième épisode. Et alors j'allais faire new, mais en fait on va juste continuer. Il y a toutes mes saves. Oui, j'y ai beaucoup joué. 2019, 2018. Bon allez, donc, on retourne sur notre partie. Et on en était là. Une salle chelou. Alors j'ai à peu près tout... Ouais, j'ai pas fait les machins. Alors, un robot complètement défoncé. On dirait qu'il y a eu quelque chose d'intense avant que vous y arriviez ici. Alors, vous ramassez un diagramme du portail griffonné à la main qui montre comment les pièces elles s'emboîtent. Pilili. Pum, 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 pum. Alors, c'est quoi ça? Alors, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que fait ce truc. Peut-être que y a quelque chose dans le coin qui pourrait utiliser du coup pour le mettre en marche. Enfin, on pourra voir ce que ça fait quoi. Alors une porte a l'air qui est très futuristique. Hein. Le tout dans dans un endroit qui ressemble à un bunker futuristique et sombre. Peut-être que toutes les réponses se trouvent derrière cette porte. Vous n'avez absolument aucune idée comment ouvrir cette chose. Hein. Vous ne voyez même pas si elle a une poignée. Donc, vous supposez que c'est automatique. Mais, le pouvoir. L'électricité a l'air c'est pas en marche, voilà. Enfin, c'est dur à dire. Donc, alors, si vous cachez à l'intérieur de cette boîte, enfin de cette caisse, vous pensez que vous serez un peu nerveuse, quelque chose soudainement la fermer, et vous finiriez, vous serez comme ça, à crier dans le noir, dans une boîte à l'intérieur gélatineuse, gluant plutôt. Quelque part super loin, de manière impossiblement loin de votre maison. Donc vous dites que vous allez pas vous cacher dans cette caisse pour le moment. Du coup, la dernière chose. Alors, une sorte de... d'insecte électronique bizarre. On dirait que ça essaye de communiquer. Peut-être que vous aurez le ramassé pour une inspection plus poussée. Le ramasser, hein, évidemment. Alors, vous ramassez la planche. La planche. L'ardoise, enfin le truc, voilà. Qui clignote. Alors, il y a des mots qui clignotent donc sur l'écran dans un alphabet. Qui est pas vraiment très familier, mais pour une raison, comme une autre, une raison X ou Y, vous comprenez quand même. Alors, bonjour, qu'est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que c'est une chatroom, une salle de chat? Est-ce que c'est un chat? On se croirait sur internet au début des années. Dans les années 2000, 2010, un chat. Alors, si un modérateur est présent, j'ai... Hello, I require assistance. Je demande un peu, je veux un peu d'aide, s'il vous plaît. Ah, le tétrarque. Le tétrarque. On va dire tétrarque. C'est plus simple.
Quoi? Une grosse explosion. Ah, par contre, je peux pas les voir. Hein. Une grosse explosion. Allez. Je vais faire l'effort de faire des voix. Une grosse explosion. Est-ce que vous avez été blessé? Ah, merci de moi. Merci, merci pour de demander quoi. Enfin, sympa. Enfin, je veux dire, j'ai vu absolument aucune explosion. Enfin, peut-être à la limite, j'en ai causé une. Et le plafond de ton lit est complètement niqué. par contre. Je fais des voix, mais les traductions elles sont toujours aussi grossières. Ah, si tu le dis. Attends, tu peux voir mon toit? Attends, qui es-tu? Et de quoi tu parles avec mon nid? Oh! Oh non! Oh, je suis désolé, j'ai encore oublié le code! Et j'essaie vraiment, je te jure! C'est juste que j'étais si inquiet, j'étais si inquiet pour toi et je pensais pas, enfin je réfléchissais pas et je te promets, ça arrivera plus jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Et rien, tout ce qui importe c'est que tu vas bien. Tu vas bien, hein? Who are you? Qui es-tu? Où je suis? C'est à dire quoi ça? Alors, attendez, qu'est-ce qu'on... On va commencer par déjà par les préliminaires. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez moi? qui es-tu? Bah, je suis Xephrus. Oh non, c'est encore un test, hein. Ok, je sais, je viens de dire que bah, ça arrivera plus jamais, mais je veux dire que ça commence à partir maintenant. Il n'y a aucune exception au code. Et je suis absolument pas Xephrus. Ok. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ok, je sais la réponse à celui-là. Tu es dans ta cave. Enfin, je veux dire, tu n'es pas dans ta cave. Tu es quelque part d'autre. Il dit la mauvaise chose. Où est-ce que je dois te dire quand tu es? comment je transcris ça à l'oral, moi? Désolé! Pourquoi tu m'excuses? Ça fait pas de mal d'être désolé! Alors, Xephrus. Donc, apparemment, je suis dans une cave. Mais tu penses qu'on devrait pas dire ça? Ouais, c'est exactement ça! C'est ça, hein? Ah oui? Oui, si tu le dis. Alors, je pense, je suppose que tu sais pas trop ce qui se passe avec cette gros. Mais non, tu. Oh là, c'est compliqué. Je suppose que tu sais à peu près ce qui se passe avec la grosse machine avec les. Avec les serpents. Les serpents dessus. Ça ressemble un peu à celle que j'ai dans mon grenier. Enfin, à part que celui dans mon grenier n'était pas aussi. Il n'y avait pas une aile aussi de science-fiction et bah il n'y avait pas cette bulle de champ de force, c'est le bullshoot qui fait champ de force. Grenier. Et tu sais, en haut, la fin du couloir, en haut des escaliers. La pièce la plus haute dans la maison. Oh, j'ai encore plus de code. Désolé. Ah oui, l'arme secrète. Ah, je suis désolé pour ça. Tétrarque d'Amec. Arme secrète. Tétrarque d'Amec. Désolé, je sais que j'arrête pas de me gourer. Je fais de mon mieux. C'est quoi tétrarque? C'est qui? Non, c'est quoi évidemment. C'est quoi tétrarque d'Amec? Et ton nom? Enfin, pas ton nom. Mon nom n'est pas Tétrarque d'Amec. Mais bien sûr, on sait jamais qui pourrait être en train de lire. Oh mon dieu, c'était quoi ton nom de code déjà? Mon nom c'est Joey. Enfin, je m'appelle Joey, pardon. Je m'appelle Joey. Ouais, je savais ça. Je sais ça, c'est de ma faute, je suis désolé. Enodie.
Je savais pas que les choses allaient si mal se passer. Attends, quoi? D'abord j'allais te le demander, puis après je me suis dit que c'était peut-être un quiz et que si j'ai arrêté de te demander, je l'aurais raté, donc j'ai juste mis la batterie dans l'arme comme t'as dit. Mais de quoi tu parles? Mais je croyais que t'avais laissé ce papier chelou sur la caisse comme parce que c'est des instructions quoi. Papier chelou. Non mais pas chelou, mais superbe. Le plan est cool, Joey. L'héritière ne s'y attendra jamais. Enfin, je suis pas sûr de ce que le SAD désigne, mais ouais. Je suis juste fier d'être merde. Putain, j'ai oublié le terme. On a eu assez confiance en moi pour m'attribuer cette formation à une responsabilité aussi importante. Alors, laisse-moi venir à toi. Alors. Alors. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé le papier dont tu parlais en fait. Qu'est-ce que je fous avec? Alors attends, une minute, je sais ça. Ah, je suis tellement désolé. Je pensais pas que tu me referais un interrogatoire après ce qui s'est passé. Je te jure que je me préparerai bien mieux la prochaine fois. Oui, c'est pas grave. Quoi, vraiment? Eh oui, vraiment. C'est pas un interrogatoire, enfin j'ai aucune idée de tout ce que ça veut dire. Oh mon dieu, est-ce que c'est un test? Mais non. Non mais sérieusement, j'ai aucune idée de ce qui se passe, hein. Enfin, j'ai jamais vu ce truc avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je fais de mon mieux, mais je sais pas ce que tu veux que je fasse. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, donc ce papier ressemble juste à une sorte de schéma pour le portail que je viens de traverser. Alors il a l'air familier, enfin pas le portail mais le papier. Enfin, je sais pas comment ça serait possible en fait. Non, bah, en fait en vrai c'est un diagramme pour la machine serpente, la serpentoïde. Eh bien si je me rappelle bien, cette chose c'est un guide pour l'arme. L'arme, tu veux dire le portail serpent? Ah oui, le code, ouais, le portail. Est-ce que je peux du coup déverrouiller la machine serpentoïde avec ça? Enfin, est-ce que je devrais déverrouiller la machine serpentoïde? Ah oui, le programme de sécurité serpentoïde pour ton nid. Ah oui, non, d'accord. Il marque juste pas les apostrophes. Power Exagri, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, je peux le temps de traduire ça. L'Exagri pour l'électricité. Oh merde, me fait chier. Bref, la machine c'est pour faire fonctionner son nid, sa maison en humain. Oui, c'est ce que tu veux, Tetrarch. Tu peux toujours faire ce que tu veux. Waouh. Est-ce que. Est-ce que ce truc que t'as dit là, ça va m'aider à me sortir de là? Exactement. Mais juste tous tes doigts sur le dos de la tablette, jusqu'à ce que le panneau de contrôle, enfin l'uplink, c'est la connexion au panneau de contrôle s'exécute. Comment ça X? 12? 10, pardon. Oh non! Oh, je suis dans la merde, j'ai fait exactement ce que j'étais pas supposé faire. C'est un test, et j'ai tout foiré, évidemment, et tu vas t'en souvenir, et j'aurais dit, t'es mieux pas dur, te dire tout ça. Je suis désolé, c'est si dur de suivre toutes ces méthodes d'espionnage, enfin, ces règles d'espionnage, des fois. Ok, alors, je vais juste vérifier si ça marche. Je suis tellement désolé, Tetrarch. Attends, je vais juste regarder un truc. Ah oui,
vais juste te laisser faire enfin, ce que tu fais, quoi. Alors, du coup... Alors, vous mettez tous les doigts, tous vos doigts sur le dos de la tablette et vous approchez du panneau de contrôle. Oh, il y a un programme entre un mot de passe qui apparaît sur l'écran. Alors attendez, je sais plus comment ça marche. Ah oui, voilà, c'est un snake. Je suis un génie au steak. C'était vraiment très compliqué. Et ben voilà. Oh putain de sa mère, j'avoue. Coucou. Les grosses cinématiques. Alors, du coup. C'est... Et Xerox. Xerox, t'es là? Je sais pas trop comment je me sens à propos de ce nom de code Xerox là. Enfin, ça ressemble quand même pas mal à Xefo, c'est pas vrai? Ouais, je veux dire, imagine si je t'avais appelé Dameuse. Dameuse. Ouais, jamais je ferais ça. Désolé. Ok, je sais pas quoi répondre à tout ça, mais... Désolé. Mais non, mais c'est bon, arrête de t'excuser. En fait, c'est vraiment chiant quand tu fais ça le temps. Hein. Oh. Désolé. Bon, oublie ça. Alors, je voulais te parler à propos de la console de sécurité. Donc, j'ai joué au jeu, là. Et tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le transpalette qui s'est... Qui a foncé à toute vitesse sur le champ de force et qui a explosé. Quoi? Ton transplanète a explosé? Bah ben oui, mais c'est pas le mien en fait, mais c'est le tien. Enfin, je suis désolé de l'avoir complètement niqué. Hein. Mais non, bien sûr. Enfin, ou alors je veux dire, tu veux que je le prenne? Parce qu'il est cassé? Enfin, moi ça me dérangera pas, hein, mais voilà quoi. Enfin, c'est... Si tu veux. D'accord. Alors, et il y a un monstre chelou qui m'a menacé et qui du coup j'ai fui dans l'autre pièce. Et en fait il y a qu'une seule porte. Enfin c'est un peu pas ouf. Un monstre bizarre. Ouais ce truc qui ressemble à une sorte de chasseur. Un chasseur sachant chasser. Un truc chasseur. Est-ce que tu te bats contre ton Lysus? Enfin, merde, la voix. Est-ce que tu te bats contre ton Lysus? Enfin, c'est pas mon... C'est pas mes affaires, quoi. Un Lysus. C'est comme ça que t'appelles ce truc. Enfin, je me suis... J'ai pratiquement échappé à la mort. Hein. Attends. Est-ce que... En fait, t'es pas Tetract avec... Mais non! Je suis Joey Claire! Je sais pas ce qui se passe, il y a plein d'ordinateurs et de boîtes, je sais pas où je suis et qui es-tu, mais t'as l'air. Mais tu t'arrêtes pas d'agir comme si tu savais ce qui se passait. Mais alors, qu'est-ce que tu fais avec la tablette du Tetrarch? Et tu veux dire ce. Enfin, ce portable. Trapper Keeper. De chasseur trappeur, ah, de que chasseur cueilleur, je sais pas, j'en sais rien. Je l'ai trouvé sur le sol. Oh non, est-ce que le Tetrarch d'un mec est là? Peut-être que je pourrais lui parler à la place, s'il te plaît.
Et donne la tablette au tétrarque d'Amek, hein, s'il te plaît. Alors, je sais pas qui est tétrarque d'Amek, je sais pas qui tu es. Est-ce que tu pourrais lui chercher, s'il te plaît? Ok, alors, je vais juste me balader dans cette pièce qui est remplie avec des armes à feu. Et des pistolets. Ok, merci. Alors, cette porte est tout ce qui vous sépare entre vous et ce monstre cerf. Non. si tu voulais te faire tuer par un monstre bizarre dans la cave, t'aurais dû faire ça à la maison, hein. Alors. Il y a plein de boîtes, de caisses, de containers à la con, enfin. En vrai, c'est quoi, c'est plutôt classique, quoi. C'est pas la première fois que vous faites un petit clapotis. C'est pas la première fois que vous voyez un tas de caisses. Voilà, c'est ça exact. Ah. Vous auriez vraiment cru que ça allait marcher. Bien que c'est mieux que ça n'a pas marché, étant donné que la plupart de ces boîtes sont probablement pleines de balles, de missiles, enfin voilà quoi. Alors, ça a l'air de ressembler à une carte, mais vous reconnaissez aucune des terres sur dessus, quoi. Enfin, en fait, maintenant que vous y pensez, peut-être que ça vous semble familier. Pas certain d'où vous les aurez vus. Alors, vous n'avez aucune idée c'est à quel sujet, quoi. C'est de quoi ça parle. Enfin, en vrai, vous préférez ne jamais trouver, en fait. Alors, ça vous rappelle les théories du complot à la con de Jude. Mais que peut-être que vous supposez que c'était pas vraiment des théories du complot, hein, peut-être des faits du complot. Enfin, vous supposez que c'est la même chose pour toute cette merde, mais et bordel, pourquoi toutes ces andouilles besoin de s'enfoncer dans des terriers de lapins aussi profonds avec toutes les strates et tout. Ouais, bon, ok. Ah, j'ai pas vu. Est-ce que tu l'as trouvé? Non. Oh non, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mon dieu! Pourquoi tu demandes à moi? Mais par tous mes pieds qui sont sur terre, pourquoi est-ce que tu me demandes à moi? C'est quoi la terre? Quoi? Oh, mon dieu! Jude, c'est toi? Est-ce que c'est encore de tes blagues à la con? C'est pas drôle! Non, je suis Xephros! Ok, Xephros, dis-moi ce qui se passe. Mais je sais pas. Enfin, je sais pas ouf parce que tu cries et ça me fait pas plus. J'arrive pas à penser. Je sais que je suis pas très intelligent ou bon en quoi que ce soit, mais je fais de mon mieux. Désolé. Je peux pas y croire. Donc je enfin. Je suis celle qui vient de se faire envoyer dans l'espace dans une maison de l'horreur alien et tu t'attends à te sentir mieux. Ok, on a tous des problèmes de confiance en soi, mais il y a un moment pour les lamentations pathétiques, et c'est pas quand j'essaie de ne pas me faire dévorer le cul par des monstres aliens. Attends. T'es une extraterrestre? Je suis à 2 secondes, je suis à 2 doigts de balancer cette machine à blague dans l'une des
des grosses piles d'armes de merde dangereuses derrière moi là. Non, on fait pas ça. C'est trop cool. Il y a des rencontres avec des extraterrestres. Ah oui, sérieusement, la plupart des trolls, ils rencontrent jamais des extraterrestres avant d'aller sur leur planète pour les conquérir. Quoi? Ah oui, mais enfin, tu pourrais te foutre de moi, mais est-ce que tu te fiches de moi? Peut-être alors qu'il dit que je dois arrêter d'être crédule, ouais. Je voulais aussi d'être aussi crédule. Oh, je sais, dis quelque chose que seulement un extraterrestre pourrait dire. Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Je viens de la planète Terre, je suis un dieu tentaculaire de tes cauchemars. Je vais t'enfoncer ton corps de nerf dans le corps. Dans le corps, oui. Dans le sol, un coup de claquette. Je vais te claquetter la gueule si tu continues. Si t'arrêtes pas avec cette merde. C'est. Est-ce que t'as compris ce que j'ai demandé? C'était plutôt normal à dire ça. Non, c'est pas normal. C'est pas du tout bien à dire ça. Oh, désolé. C'est un peu compliqué toute cette situation et. Et le chasseur m'a peut-être fait un peu. Péter les plombs. Donc t'es pas un extraterrestre. Bah si, en fait, parce que si c'est vraiment pas la planète Terre, enfin entre les machines serpents, le chasseur et toute la technologie de science-fiction, je pense que je suis prêt à y croire. Hein. En plus, il y avait encore d'autres monstres avant, et donc finalement, c'est le bonjour. Hein. Les monstres? Ouais, j'ai réussi à leur passer, j'ai réussi à leur survivre. À peine. Ouah, t'es trop cool. Mais c'est genre comme une aventure. Attends. C'est quoi la couleur de ton sang? C'est quoi cette question? Je suis désolé, je voulais pas être aussi irrespectueux. Je voulais juste savoir que je savais avant que je fasse tout capoter, voilà. Tout capoter. Ok, alors, c'est rouge. Quoi, vraiment? Moi aussi. Ouais, on pourrait te mettre à être ami. C'est trop cool. Tant même que je pourrais même t'aider. Quoi? Comment? Le Lugis du Trésor qui me connaît. Allez. Elle calme down. Allez, tout ça veut dire si je peux arriver aller là-bas. Alors, par Lugis, tu parles du monstre chasseur, là? Oui. Ah, c'est trop... Mais c'est... Putain. C'est trop bien, merci. Ouais. Et à part que... Je sais pas, enfin, je suis toujours acquis que ça pourrait très bien être un énorme test. Un test, mais je comprends pas en fait. Enfin, en tout cas, c'est quand même assez frustrant que de devoir répéter ça tout le temps. Et il t'étrace qui me teste tout le genre. Si c'est. Final exam, putain, mais exam. Ah oui, le final exam, ouais. Je crois que je suis un peu con. Si c'est l'examen final et secret et que je te fais. l'examen secret et que je foire tout, bah il va vraiment être déçu. Oh, je sais! Si tu peux prouver que t'es un alien, je vais venir et t'aider! Attends, est-ce que tu veux que je dise encore plus de trucs alien? Non, je veux dire si j'avais un moyen de vérifier si c'est vrai ou pas! Envoie une photo! Alors, j'ai aucune photo avec moi et comment je peux te l'envoyer? Enfin, je suis là, piégé par ce monstre. Est-ce que tu utilises la tablette du Tretark? Prends une photo avec ça et envoie-la moi! Une photo et voilà, ouais. Ah, transmit, what the fuck? comment ça trans? comment ça X se transforme en trans? C'est quoi ce queer de merde? Pictures transmit, en voilà, moi. Oh, oui, d'accord, ouais, c'est un peu chelou à demander, Xerox. Et je vais. Voilà. Voilà, bref, alors du coup on est bientôt à 28 minutes, je pense, hein. Donc je vais arrêter là pour cet épisode, hein.
va bien assez durer. Et je vais donc passer au prochain dans quelques instants. Parce que on arrive à l'introduction de l'ami Xephros. Et surprise, surprise, hein. Donc j'espère que moi déjà c'était bien. Et je vous dis salut.